très content de ce match nul à Paris. Il récompense, voilà. Je vous parle beaucoup d'état d'esprit, je vous parle d'intensité depuis que je suis arrivé. Et on est là-dedans, les joueurs sont dedans. Il y a des défauts, bien sûr que tout n'est pas parfait, mais pour nous, c'est plaisant à vivre sur le terrain et on est content que ce soit récompensé aussi par les résultats. On sait que l'on va aborder sereinement ces deux derniers matchs, j'ai bien dit sereinement, et déterminé pour être dans la continuité de ce qu'on fait ces dernières semaines. Pour nous, c'est hors des questions de se relâcher maintenant. Enfin, on ne peut pas avoir fait tout ça pour pas être ici, au Stade de l'Aube, devant beaucoup de supporters. Il y aura beaucoup de monde. Et de ne pas proposer quelque chose de cohérent comme on a fait jusqu'à maintenant. On savait après Paris qu'on avait bien avancé. Les deux séances hier, avant-hier, ont été très bonnes. Ça, je peux vous le dire après celle de tout à l'heure ou celle de demain, je le ressentirai. Et j'hésiterai pas si je sens qu'il y a du relâchement à faire des choix plus forts. Parce que non seulement on a une fin de saison qui est sereine mais agréable et importante et à jouer, mais en plus voilà, je peux aussi d'ores et déjà préparer la saison suivante. Donc les joueurs savent ce que j'attends, les joueurs savent ce que j'attends en dehors et sur le terrain. Donc voilà, s'ils veulent participer à ces deux derniers matchs, ils ne pourront pas passer au travers. Et je regarde, on me dit, est-ce que vous les avez vus arriver? Oui, je les ai regardés arriver. Donc je vais les voir sur le terrain, je vais les voir. Ils savent très bien que s'ils ne sont pas dans l'état d'esprit, ce n'est pas pour ça qu'on gagnera, hein, on parlera peut-être, enfin, y a pas de... Mais par contre, l'état d'esprit, c'est parce qu'on prépare dès à présent, on prépare la saison prochaine.